Voilà, Buren, donc tu as vu la petite démo. Maintenant, qu'est-ce que ça signifie pour une brand, une consumer brand? Eh bien, donc notre technologie que nous proposons à des brands de manière white labeled, donc nous proposons les composants technologiques qui s'intègrent au sein d'une app qui vit toujours ou une app éphémère liée à une campagne, hein, nous permettons à un utilisateur, en trois clics, de devenir une star. Hein, donc de fusionner du user-generated content avec du star-branded content. Tout ceci au sein d'une app sponsorisée. Hein, et la consumer brand, évidemment, présente ceci comme un outil de création de contenu fun, viral. Et donc, c'est bien entendu le marketer's dream d'une consumer brand, c'est de créer une expérience émotionnelle online dont le contenu soit viralisé, et donc son message est propagé par les utilisateurs, évidemment. Donc, c'est beaucoup plus économique comme campagne que d'aller bombarder de messages publicitaires une chaîne de télévision, par exemple. Voilà, donc nous sommes en discussion bien avancée avec Universal qui va pitcher notre technologie white labeled avec leurs assets vidéo qui sont évidemment fabuleux, c'est des Rolling Stones, des Lady Gaga et compagnie, à des top consumer brands. Voilà, et évidemment, on est tout à fait ouvert à en discuter en direct avec des consumer brands. Donc, si c'est ce genre de message que tu peux passer à ta chère collègue, eh bien, volontiers, moi je suis one click away. À bientôt et bonne chance à Paris aussi pour ton business, hein.